Bienvenue dans We Are Story, votre nouvelle télé-réalité de cet été. Salut, c'est le docteur de l'HP Fleury. Aujourd'hui, je laisse mes patients de côté pour tout péter. Salut. C'est les colocs. Nous sommes sûrs de remporter cette émission. Car on a une technique infaillible pour faire flemmer nos adversaires. En un coup de vent. Salut, c'est le babysitter. Aujourd'hui, je laisse mes petits anges de côté pour tenter de remporter cette aventure. Et oh! Désolé. Salut, c'est Olga. Et Marc. Dans cette aventure, on sera pas là pour enfiler des perles. Mais pour remporter cette émission. Avec nous, c'est sûr, les candidats tomberont comme des mouches. Salut, c'est le chef de chantier. Je sais pas trop ce que je fous là, mais j'ai envie de tenter l'aventure et pécho de la go. Vous connaissez les appels dans les 7 candidats qui s'affronteront tout l'été. Et entre coup de gueule, confession et révélation, c'est vous qui choisirez quel candidat remportera Real Story. Dans ce premier épisode de Real Story... Je pense avoir découvert le métier de Tiffany et Rémi. Tiffany et Rémi, au confessionnal. Je vous ai grillé. Ah bon? Bah dis-nous tout. Alors moi je pense que Tiffany, t'es une péteuse professionnelle. Genre t'as fait des concours, t'as fini première, un truc comme ça. Ça aurait pu, hein, mais pas du tout. Ah, bon, c'est râpé. Tu penses qu'il va s'éteindre le soleil un jour? Oh bah oui, c'est comme les ampoules, ça va finir par griller. Eh, tu sais que t'es charmante, toi? Merci. Je te fais monter sur ma clé anglaise quand tu veux. Et c'est parti pour les premières éliminations. Rémi 1, le pote de Tiff. J'ai envie d'éliminer Pablo. Je souhaite éliminer Pablo. Le gars là, à lunettes. Je souhaite éliminer le mec à lunettes. Ah, mais c'est de l'eau. On souhaite éliminer Pablo, parce qu'il me fait des avances et ça devient un peu gênant. Vous l'aurez compris, le docteur et le chef de chantier sont les premiers nominés et c'est à vous de voter dans les commentaires quel candidat continuera l'aventure de Real Story. Deuxième tour dans l'aventure de Real Story. Eh, par contre, mec, c'est mes petits pains au lait, là. Ah, y'a ton prénom écrit dessus? Non, mais tout le monde le sait, en fait. Mais t'es qui, mec? T'es personne? Bah, je suis pas, mais là, y'a t'es vite, vas-y, gardez tes pains au lait, là. Eh, mais détends-toi la chatte, là. Et on se connecte avec la maison pour les premières éliminations. Coucou Benji! Sans plus attendre, je vais vous annoncer qui quitte l'aventure. Je suis stressée. Bah pourquoi t'es stressée? C'est pas toi qui es nominée. Ah oui, c'est vrai. Oh, t'es une bonbonne à gaz, toi. Et le premier candidat sortant est... Pablo. Ouais, c'est le jeu. Oh non, pas toi. Eh, ça va, ça fait 24 heures que tu le connais, hein. Vas-y, t'inquiète, beauté, et je te soulève quand tu veux. Pablo, je vous laisse me rejoindre, votre aventure est terminée. Je t'oublierai jamais. Comment il s'appelle déjà? Je pense avoir découvert le métier du gars là avec Finesse, je sais plus son nom. Tiffany est la première à baiser, à buzzer, a-t-elle découvert le métier du docteur? Réponse dans le prochain épisode. C'est le troisième tour de l'aventure. Tiffany a-t-elle découvert le métier du docteur? Réponse tout de suite. Hello. Ouh, je casse tout. Coucou, alors je pense que dans la vie tu es testeur de montgolfières. alors là, pas du tout. Ah, ou alors t'es peut-être juste mongol en fait. Eh, mais toi prends un fer à repasser et détends-toi, mec, hein, parce que je te jure, je vais t'encastrer dans un mur. Oula, d'habitude, je suis pas sûr. Mais alors là, tu. Y'a les nerfs qui montent là. Mais tu sais, moi je suis gémeaux en fait. Quand j'ai quelqu'un dans le pif, c'est terminé. Et c'est l'heure des éliminations. Je souhaite éliminer le gars à lunettes. Et moi, je souhaite éliminer Rémi 2. Ah, mais je souhaite éliminer à 32 000% la Rémi là. Le pote de Tiffany. Côté stratégie, je souhaite éliminer le mec aux lunettes. Et moi, je souhaite éliminer le mec aux lunettes. Ah, pareil. Ça te dit qu'on aille se baigner, bébé? Oh, bonne idée. Oh, je peux venir avec vous? Non. Bah, laisse-le venir avec nous. Ah, mais y'a pas, ouais. T'es vraiment une bille, toi. Allez, bien, je vous laisse, c'est un jaloux. Les tensions se font ressentir dans la maison de Real Story et ça devient chaud, même très très chaud. Ah, ça y est, Yves. Et recoucou, qui du docteur ou du babysitter quittera l'aventure, c'est vous qui déciderez dans les commentaires. Quatrième épisode. Coucou les loulous. Coucou Benji. Salut. Et le candidat qui va quitter l'aventure est... Ludovic. Putain, je suis dégoûté. Je suis choquée. On a voté contre lui. Ça va, bébé? Oui, mais j'ai eu une douleur au ventre d'un coup. La comédienne. Ah, oh, toi la ferme. Toi la ferme. Non mais tu t'es pris pour qui là, avec ton habit de jogger? Eh oh, eh, redescends de ton piédestal, hein, t'es loin d'être une princesse, hein. Si, je suis une princesse. Mais t'es vraiment siphonné du vocal, toi, hein. C'est chaud aujourd'hui dans Real Story. Ah, attendez. On pense avoir découvert le métier de... Rémi 2. Pas le pote de Tiff, hein, l'autre. Suite au prochain épisode. On pense avoir découvert ton métier. Ah, dites-moi tout. Tu es babysitter. Ouais, c'est ça. Yes. Comment t'as deviné? C'était écrit sur ta valise et un matin, je suis tombée par hasard dessus. Ah, mais quelle bille! Olga est la première candidate à avoir trouvé le métier d'un candidat. Bien joué. Eh, hey, Tiff, tu penses que j'arriverai à rentrer combien de pains au lait dans la bouche? Je sais pas, essaye d'en rentrer plusieurs. Vous faites quoi? Rémi essaye de savoir combien de petits pains il doit rentrer dans sa bouche. Sérieux? Non, mais vous êtes taré. Non, mais. Hey, ça va, bébé? Benjamin! Oui? Ma femme, elle est en train d'accoucher! Oula, c'est chaud, chaud, chaud! Mais parfait pour les audiences! Suite au prochain épisode! C'est la suite de Real Story! Et malheureusement, Olga et Marc ont dû quitter l'aventure pour donner naissance à leur triplé. Comment allez-vous? En pleine forme, Benji! J'ai accouché ce matin! Et sans péridural! Comment s'appelle les petits bouts de chou? On peut avoir une petite exclue? Alors, je vous présente Emma! Marc Junior! Et la petite Hortensia!
bien. Eh ben, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, mais sans plus attendre, connectons-nous à la maison. Coucou les loulous, comment allez-vous? Merveilleusement bien depuis qu'Olga est partie. Rémi. Vous l'aurez compris, pas d'élimination cette semaine, qui du babysitter ou des colocs qui ont marqué cette aventure de par leur naturel. Qui remportera cette aventure, c'est à vous de choisir. L'aventure Real Story touche à sa fin. On se connecte sans plus attendre à la maison. Comment ça va les loulous? Ça va, tranquille. Ça va être la petite magasin. Eh ben ça va, ça baigne même j'ai envie de dire. Qui du babysitter ou des colocs vont remporter cette première édition de Real Story et cette jolie peluche? La tension est à son comble. Tiffany, on ne lâche rien. Et le grand gagnant est le babysitter. Félicitations à toi, tu es le grand gagnant de Real Story. Un petit mot pour les gens qui nous regardent? Merci, je vous embrasse. Et voilà, l'aventure Real Story est terminée. J'espère que vous avez aimé autant que nous ici à la régie. Prenez soin de vous et de votre familia. Et le reste, on s'en... A très vite pour de nouvelles aventures.